Ton voisin que c'est un culte précieux, c'est un culte puissant. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué. Soyez les bienvenus. Église de Pente le Rocher. Dieu est parmi nous. Dieu est là, présent au milieu de nous. Et que, comme on dit souvent ici, Dieu n'est pas en vacances. Amen. Ça veut dire que Dieu, tous les jours que nous nous réunissons ici, Dieu est là. Amen. Donc oublie tes pensées, oublie tes problèmes, aie la confiance en Dieu parce que Dieu va te répondre ce matin. Alléluia. Amen. Si vraiment tu es sincère, si tu es vraiment en contact avec le Seigneur, Dieu va te répondre ce matin. Dans la parole de Dieu, nous allons reconnaître nos fautes, reconnaître devant ce Dieu grand de tout ce que nous avons, tout ce qui nous a éloigné de sa présence. Entre en toi-même, regarde tout ce que tu as fait cette semaine. Dis au Seigneur, c'est vrai que tu m'as dit, mais Seigneur Dieu, j'ai été faible. Avant vraiment de lire ta parole, Seigneur, nous allons vraiment tous demander pardon, Seigneur. Alléluia. Éternellement, Dieu, je te demande pardon, Père. Je te demande pardon, Père, pour tout ce que, Seigneur, j'ai fait qui n'honore pas ton nom. Je te demande pardon, Seigneur, Dieu, pour mes mauvaises pensées. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, Dieu, pour tout, Seigneur, Dieu, qui a attristé l'esprit. Seigneur, je ne veux pas ce matin, oh Seigneur, venir autour de toi ce matin, Seigneur Dieu, tel que je suis. Seigneur, je te demande pardon. Que le sang de Jésus-Christ nous lave. Que le sang de Jésus-Christ nous préserve. Que le sang de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, que nous puissions, Père, se retrouver pour le temps, pour t'adorer, pour te louer. Saint que tu es, Père. La Bible dit que tu es saint, 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 Seigneur. Que ta sainteté nous contamine. Que ta sainteté, Seigneur, nous pousse à reconnaître que tu es Dieu. Que ta sainteté. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Nous allons acclamer ce grand Dieu qui nous a accordé ce matin. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Dans 1 Jean 5, les versets 13 à 14. 1 Jean 5. Si vous avez retrouvé la référence, dites Amen. Amen. La Bible nous dit ce matin à chacun de nous, toi qui es à ETR, toi aussi qui nous suis chez toi, au travers les réseaux sociaux. Alléluia. La Bible nous dit ce matin, je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Amen. Vous qui croyez au Fils de Dieu, chacun de nous dit Amen. Amen. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est
conforme à sa volonté. Amen. Il nous écoute. Amen. Amen. Et si nous avons, si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Alléluia. Amen, amen. Dieu ce matin te dit, si tu es enfant de Dieu, et si tu demandes au Père, vraiment, avec assurance, si tu demandes et tu crois ce que toi tu demandes, alléluia, tu l'as déjà. Si nous avons demandé cette année, amen, si Dieu a dit que c'est une année de conquête, et si nous le faisons avec vraiment assurance, et si, amen, nous croyons que ce Dieu-là peut nous amener à la conquête, c'est que cette année, cette conquête sera palpable dans nos vies. Alléluia. Amen. Et acclame ton Dieu, commence à prier, commence à dire au Seigneur que vraiment, cette conquête, je veux l'avoir, parce que j'ai l'assurance. Oh,
Yes, you.
Seigneur.